Salut à tous, c'est Quincy et on se retrouve encore une fois sur Production Line et on continue directement notre petite affaire de créer cette deuxième ligne de production. Donc on avait fixé l'échappement, a priori on avait, enfin on venait de voir sur la fin qu'il nous manquerait sûrement pas mal de place. Pas mal de... Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi, désolé. Il nous manquerait sûrement beaucoup de production pour pouvoir faire tourner ça proprement. Donc celui-là produit toutes les 3 minutes et que une unité produit à peu près toutes les 7 minutes. Donc ça fait que celle-là sera en attente d'unité. Si elle tourne à fond, on sera en attente d'unité. Donc c'est vraiment pas top. On préfère produire un peu plus, utiliser moins cela, mais ne jamais se trouver à court de composants. Donc on passe aux roues. Donc les roues, c'est là qu'on va commencer à rigoler. Les freins, qu'est-ce qu'on est en train de faire les freins? On est en train de trouver, faire la fabrication des freins. D'accord, c'est bien. Donc les freins, produire les freins, ça met 3 minutes 9. Ça met 2 minutes. fixer les roues, ça met 2 minutes et ça met 2 minutes 33. Les roues, 31 secondes à produire. Les pneus, 4 minutes 27 à produire, d'accord. Donc, il va nous falloir 2 unités de frein. On va mettre ça comme ça. Frein, roues et pneus. Donc, il va nous falloir 2 unités de production des freins, 1 unité de production des roues et 2 unités, combien? 2,33, 2,39, ça fait 5 minutes, ça va faire 2 unités de production des pneus. On va mettre ça en place. Donc on va produire les roues ici. Est-ce qu'on les produit ici? Oui, on peut les produire ici. On va produire les pneus ici. Je vais faire ça comme ça. Et comme ça, essayer de gagner un peu de place. Donc, conveilleur. C'est un peu le bordel, je vous l'accorde. Mais ça passe. Mais ça passe plutôt bien. Donc, on se met là, on se met là. Voilà. Moi, je veux que ce soit toutes les importations locales uniquement. Local uniquement et local uniquement. On a de la gestion de stock prédictif. Quoi d'autre? J'entends un alliage, on n'a pas encore ça. Route secours, on n'a pas encore ça. Ça ici, capteur de pression des pneus, non, pas encore. Amélioration, anti-blocage des freins acheté. Régulateur de vitesse, non. Régulateur de vitesse, oui. Acheté, il nous faut des cerveaux. D'accord. Donc, c'est ce qu'il va falloir faire. On le sait dorénavant. Qui dit cerveau, dit... petit stockage en avance avec... Donc ici, on a dit des cerveaux. Des cerveaux, on va en mettre... On va en mettre 36, tout simplement. Et là, on va lui dire... Que les cerveaux ça s'importe local uniquement. Voilà, par contre faut qu'on attende de finir notre recherche. Voilà, on continue. Non mais attendez, parce que les freins il va en falloir un peu plus que ça en fait. Les freins c'est, il en faut 4 toutes les 2 minutes et les pneus il en faut 4 toutes les 2 minutes. Voilà, après ceux-là ils se produisent en 4 minutes. Non, ça c'est les pneus, il en faut 4 aussi toutes les 2 minutes. Ça, ça va être beaucoup plus gros en fait. Ça a priori ça marche. Ok, 31 secondes, ça produit 2 roues. Celui-là, ça produit un pneu. Et celui-là, le frein, je sais pas encore. Donc attendez, ça, ça me produit un pneu toutes les 2 minutes. Toutes les 2 minutes. 15
Il me faut 4 nœuds toutes les 2 minutes 30. Donc ça, il faut que je multiplie par 4. Wahaha. Sympathique. C'est les pneus. Production de pneus qui va être beaucoup plus importante que prévu. Produire les pneus. Voilà. Produire les pneus ici. On fait ça aussi. Produire les pneus ici. On fait ça aussi. Et il nous en faut deux de plus. Donc on va mettre ici. Et ici. Ça. Là, on va commencer à rigoler. Parce que c'est le gros bordel. Quoique ça pourrait être pire, hein, franchement. Gestion prédictive des stocks pour tous. Voilà. Et on va mettre des petits raccourcis ici. Voilà. Que ça soit plus simple. Donc là, on est plutôt pas mal. On va avancer un peu, parce qu'il va nous falloir... faut qu'on fasse les freins. Les freins qu'on n'a pas encore fait. Sont... Ok, c'est une fois fini cette recherche. Voilà. Donc on repasse en vitesse normale. Quand on est en train de perdre des sous là. Ça fait peur. Pourquoi on perd des sous? Les dépenses. C'est de l'investissement, d'accord. Surtout l'investissement qui fait mal. Revenu. Ça se vend, ça se vend. Vu d'ensemble. Ça, c'est pas top. D'accord. Faut quand même qu'on garde un œil là-dessus. Ça, c'est encore en budget. Est-ce que si je la mets là comme ça, ça reste en budget? Ça reste en budget à 15%. Ça, du milieu de gamme, on va mettre à 25%. On peut le réduire à 90%. Il faut que ça se vende en fait. Ça c'est universel, d'accord. Il faut que ça se vende. Sinon, je vais avoir un peu de mal. Rester à flot. Pourquoi ça se vend pas? Pourquoi ça se vend pas? Ils vendent pas beaucoup de voitures. Hein. C'est pas top. Est-ce que... Voilà, je vais vous passer en milieu de gamme. Ça, on va rester en milieu de gamme. Les sedan. En petit budget aussi. A priori, on est toujours bon. Voilà. Essayer de comment vider les stocks et pourquoi pas a priori marketing. J'ai jamais essayé encore marketing, donc on va pouvoir essayer si ça nous aide à vendre, pourquoi pas, parce que là ça devient assez chaud en fait. Ça devient très très chaud. Donc on a fixé les pneus, qu'est-ce qu'il nous reste à fixer? Il nous reste à fixer pas mal de trucs en fait, hein. Les roues c'est fait, donc la colonne de direction, le volant, et on peut produire le volant. Donc la colonne de direction, on a fait ici, et le volant c'est 5 minutes. Donc, fixer le volant, on va en mettre 2 comme avant. En avoir une toutes les 2 minutes 30, et celui-là, c'est il va nous en falloir qu'un seul. Voilà, et là, l'argent commence vraiment à fondre. Je suis en train de voir ça, c'est quand même pas top. 115 000, on n'arrive pas à vendre de voiture. Il se passe quelque chose.
On va brader un peu les prix. Celle-là en milieu de gamme, celle-là en coûteuse. On va la mettre en milieu de gamme à 25%. Faut que ça parte là. Voilà, faut qu'on en vende parce que, faut que ça remonte. Pas forcément l'idéal, c'est pas ce qu'on voulait faire, mais là, si on remonte pas un peu le budget, on risque d'avoir mal. Est-ce que si j'avance rapidement, ça marche pas un peu plus? Si. Peut-être que j'étais en vitesse lente et ça peut-être jouer pas mal. Donc les freins, on dit qu'il a 3 minutes. Ah, c'est 2 minutes, donc il nous en faut 2. Il nous en faut 6. Ça va être le bordel. Voilà. Donc niveau des freins, qu'est-ce qu'on disait, les freins? Je veux du local uniquement. Et ça me produit un frein toutes les 3 minutes. Ça me demande 4 freins. Toutes les 2 minutes, donc c'est là j'en ai 4 en fait. Donc c'est pas au petit, mais il restera un peu de place pour après. Ça, donc les colonnes de direction, je peux rien faire. Colonne de direction, ça oui pour tous. Colonne de direction, on n'avait rien. Les importations, c'est tout. Par contre, les volants, on a dit que les importations c'était local uniquement. Avec la direction assistée, les cerveaux, on est en local. On va préférer le local. Non, les cerveaux, on va le mettre en local uniquement. Ça va falloir faire ça pour les deux. Amélioration, non, direction assistée. local, il va nous falloir un stock de cerveau ici encore. On a dit des cerveaux, je vais en mettre 18, normalement c'est la moitié, voilà, donc on est bon pour les volants. Voilà, donc au niveau des sous, ça remonte un peu, c'est juste qu'on faisait beaucoup de dépenses en vitesse normale. Et c'est ça qui crée des problèmes. Donc le train roulant, colonne de direction, volant, c'est fini. Donc la production des volants est bien ici, hein, on est d'accord. Voilà. Donc voilà, on va pouvoir passer aux accessoires. Les phares qui sont en train d'être recherchés, oui. Donc, fixer les phares. Les phares, c'est 3 minutes. On va faire ça ici. Oui. Klaxon. 3 minutes. 6 pour faire. Il nous faut combien de phares? Il en faut 4. Et produire les phares, ça, il m'en faut donc 4. Il va m'en falloir 4, donc je vais en mettre. Produire volant, non, produire phare. Un ici. Un ici. Je vais mettre ça comme ça. Produire phare. Un ici. C'est vraiment là où on fait un gros puzzle. Je sais pas trop ce que je fais, mais je le fais. On est d'accord, c'est n'importe quoi, mais ça marche. On y repart. Voilà,
On met ça ici. Donc ici, je veux phare adaptif, oui. Phare automatique, oui. Gestion de stock adaptif, oui. Non, phare local. Local alignement, local alignement, capteur, local alignement, on va faire ça comme ça, on va ajouter des capteurs ici. Donc à fond, c'est pareil. Celui-là, donc il va nous falloir. Je fais recherche. Non, je m'en fous de ça. Oui, ça, c'est les phares. Comme ça, j'ai fait le stack primitif, oui. Oui. Amélioration, d'ailleurs, oui. Quoique, est-ce que c'est correct? Production. Non. Et amélioration. Non. L'idée, ça va être de produire des phares normaux. On va voir ce que ça donne. J'ai peur d'avoir fait une petite bêtise. Klaxon. Le klaxon, c'est 3:30, 1 minute 6. Nos problèmes. On va le mettre comme ça. Évidemment, le klaxon, on lui dit d'importer au local uniquement. Avec ça, on est d'accord. On continue avec le convoyeur. C'est assez. Et là, on est plein. C'est assez, comment dire, minutieux comme travail, ça. Les sièges, produire un siège, 3 minutes, ça met. Oui, oui, oui. Les sièges, 3 minutes, ça met 3 minutes 6. Ça met 3 minutes partout, d'accord. Par contre, évidemment, ça, il m'en faut plus que 1. J'imagine. Ah, il me faut 2 sièges, d'accord. Donc, premier siège. Cela, il va m'en falloir 2. Ici, un autre ici, les ressources, et ça comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, local uniquement, intérieur cuir, gestion de stock prédictif, oui, celui-là, je passe, non, c'est bon, il n'y a pas de problème, oui. Ça peut être en cuir ou comme ça, pas de souci, pas de souci. Donc on continue ici. Non, on est bon. On est toujours bon. Fixer donc les sièges, c'est bon. Le pare-brise, produire pare-brise, 1 minute 30, c'est 4 minutes pour le fixer. Il nous en faut 1. 4 minutes pour le fixer, il nous en faut 1. Donc on va en produire. Il va falloir qu'on en produise 2 et 3. Est-ce que j'ai une arrivée de ressources ici? Oui, c'est parfait. Tout à fait ce qu'il fallait. Et on connecte ça ici. Et on connecte ça ici. Voilà les pare-brises, évidemment. Oui. Et celui-là, c'est automatique. Il y a du. Pas mal de trucs à faire. Local. On va remettre un stock de réserve ici. Un petit stock de réserve ici avec des capteurs. On en veut 18.
des cerveaux, on va en vouloir. Combien? 18 aussi, tant qu'à faire. Et ça nous permettra d'approvisionner tout ça en temps voulu. L'air conditionné, c'est 2 minutes. Il nous en faut un. L'air conditionné, c'est 11 minutes. Donc, il en faudrait 6. Wow. Ouais, c'est Tetris, là. Alors. Je vais mettre ça comme ça. 1. 2. 3. 4. 5. Et 6. Voilà, Tetris. Tranquille. Ok. On est toujours comme ça. Et voilà. Bon, c'est sans doute overkill. Mais mince. Hein? Je crois qu'il me reste encore cette aire là. Je pourrais venir par là en fait. Faire sortir la voiture, oui, je peux faire sortir la voiture par là. Donc on va étendre ça et on va essayer de faire sortir notre voiture par là. Mais ça, ce sera donc au prochain épisode qu'on fera sortir la voiture, je suis pas sûr, mais qu'on continuera parce que bah on a du marketing. J'ai jamais encore joué avec le marketing, donc on va voir ce que ça donne. Mais oui, ce sera tout au prochain épisode parce que on arrive au bout de celui-ci. Voilà. Donc merci d'avoir regardé. Moi, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien, salut !